Oui, bien c'est Serge de nouveau, cette fois au volant de cette Continental, Lincoln Continental, année 66. Voilà, on essaie de conduire cette fois. Donc c'est confirmé, hein, c'est un bateau. C'est un bateau très très confortable. Ceci dit, une très bonne accélération, c'est pas un veau, loin de là. Quand on accélère, elle part sans problème. Ça tire droit, la direction est très très assistée. Voilà, elle se conduit sans aucun effort évidemment, un très bon freinage, transmission, rien à signaler. Voilà, là on est, ils font des travaux sur la route, là, donc c'est pas l'idéal, mais encore une fois, hein, on voit bien que je la conduis du bout du doigt et sans le moindre effort. Et elle est extrêmement silencieuse, hein. Pas de bruit, pas de cognement, vibrement. Vibration, probablement le terme plus approprié, je vais y arriver. Hein. Voilà, on est arrivé en fait. On va rentrer le paquebot au port. Voilà. Alors c'est embêtant le dégivrage et le désembuage. Le pare-brise est tellement large, tellement grand que le désembuage ne fonctionne pas. Au milieu du pare-brise, donc ça explique cette zone ici un petit peu, voilà, un peu délicate, mais ouais, je sens pas d'air sortir. On sent bien l'air sortir ici sur les côtés. Je sais même pas s'il y a une bouche au milieu, c'est bizarre. Bref, ben voilà quoi. Sinon, c'était vraiment un essai très sympa. Pas dans les meilleures conditions, c'est vrai, mais on voit que c'est une voiture saine. Très agréable à conduire. On va éteindre tout ça, les feux, les essuie-glaces, c'était... Non, ça c'était... Voilà, retour au calme. Voilà, donc c'était un essai de conduite, hein. Je m'excuse pour les conditions, c'est pas terrible, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Une Continental 66, voilà, pas grand chose à rajouter, et à bientôt.